La parole est à Madame Olga Givernet pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Logement, à qui je souhaite un joyeux anniversaire. Monsieur le ministre, nul ne peut ignorer les difficultés que les Français rencontrent pour se loger à coût abordable. Si le niveau des loyers est en hausse constante depuis près de 40 ans, de nouveaux phénomènes viennent s'y ajouter. Les investisseurs, particuliers comme professionnels, se trouvent confrontés à une hausse des taux d'emprunt, une hausse des coûts de construction et à la nécessité d'adapter le parc aux exigences de sobriété énergétique. Le nombre de ventes de logements anciens et neufs ne cesse de s'éroder. Il est en baisse de 12% sur un an, soit 1 million de transactions entre janvier et mai 2023. Il était de 1 170 000 sur la même période en 2022. Le total des prêts immobiliers accordés par les banques est en baisse de 45% sur un an. Les réservations de logements neufs le sont également et dans les mêmes proportions. Tous les acteurs du logement, qu'ils soient publics ou privés, lucratifs ou associatifs, institutionnels ou même particuliers, tirent la sonnette d'alarme. Dans ce cadre, le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé sa feuille de route sur le logement. Il faut de l'offre, toujours de l'offre et encore plus d'offres pour répondre à la demande. À ces locataires qui font la queue devant les appartements à visiter, à ces jeunes qui sont obligés de falsifier leur fiche de paye pour avoir une chance de louer un appartement, à ces habitants de communes touristiques et leurs élus victimes du phénomène Airbnb. Avec le Premier ministre et le ministre de la Transition écologique, vous avez annoncé un programme exceptionnel d'accélération de 22 territoires engagés sur le logement. Ce programme, c'est 30 000 nouveaux logements en 3 ans. Dans ma circonscription de l'Ain, sur la commune de Ferney-Voltaire, c'est plus de 2 500 logements qui bénéficieront de ce soutien déterminant. Nous posions ensemble la première pierre vendredi. Monsieur le ministre, comment comptez-vous concrètement obtenir de tels résultats? Ces objectifs sera-t-il suffisant pour répondre à la crise que nous traversons? Merci. Je vous remercie. Beaucoup.